bonsoir tout le monde, hein, et bienvenue dans votre émission Il est minuit. Nous sommes en direct sur TV et à Radio de Vie. Et voilà, que Dieu soit béni et merci en tout cas pour votre présence. Seigneur Adonai, Yehoshua, Dieu d'Israël, Dieu de gloire, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te bénissons pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu es. Tu es Dieu, tu ne changes pas. Nul ne peut se lever contre toi, nul ne peut se dresser contre toi, nul ne peut te donner des instructions, des ordres sur, Seigneur, ton plan, sur tes décisions, sur tes choix. Tu fais ce que tu veux, tu appelles qui tu veux, tu envoies qui tu veux, tu choisis qui tu veux et tu utilises qui tu veux. Et ce soir, nous sommes réunis ce soir, mes frères et sœurs, tes enfants, et depuis plusieurs nations, et nous voulons nous présenter devant ton trône de gloire afin de te rendre, Seigneur, des actions de grâce, des prières, des remerciements, des chants, des remerciements. Et merci également, Seigneur Père, pour tous les cœurs qui sont disposés, que tu as prédisposés depuis l'éternité passée pour participer à l'œuvre que tu fais. Béni soit ton nom, Adonai Eloheinu, au nom de Yeshua, notre Père céleste, nous te prions. Amen. Bonsoir tout le monde. Voilà, on est assez nombreux sur le plateau. Et nous sommes en direct sur TV et Radio de Vie. Je crois que nous sommes mardi 5 septembre 2017. Voilà, donc que le Seigneur soit béni. Un petit coucou aux frères et sœurs des Antilles, particulièrement aux frères et sœurs de la Guadeloupe et de Saint-Martin qui sont confrontés à cet ouragan qui va certainement frapper la Guadeloupe, la Martinique et aussi Haïti, hein, bien évidemment. Et un petit pensée à vous, vous tous qui priez pour nous, qui soutenez cette œuvre, que le Seigneur, en tout cas, vous garde, vous épargne. Hein. Je pense que l'ouragan ne va certainement pas passer par la Martinique. En tout cas, si jamais la Martinique est concernée aussi, pareil, nous pensions à vous, ainsi qu'à toutes les autres îles, donc la Réunion, l'île Maurice, Madagascar, et plein d'autres îles que nous oublions de citer parfois, mais vous êtes dans nos cœurs, en tout cas, que le Seigneur se souvienne de chacun de vous, au nom de Yeshua, notre maître. Donc nous avons la bonne nouvelle, pas une bonne nouvelle, mais la bonne nouvelle, parce qu'il n'y en a qu'une à vous annoncer, Jésus est Seigneur. Amen. Alléluia, mort et ressuscité, il est Dieu. N'en déplaise à certains, mais il est Dieu, voilà. Il y en a qui disent, oh, ils sont méchants, c'est de la méchanceté, tout ça, mais parce qu'ils dénoncent, parce que, ben c'est comme ça, c'est la vérité, n'en déplaise aux gens, ben c'est comme ça, c'est l'évangile. On n'est pas là pour plaire à tout le monde, mais hein, les vrais enfants du Seigneur sont reconnaissants vis-à-vis du Seigneur par rapport à l'œuvre qu'il fait. Alors, David, qu'est-ce qui se passe? Que passe ça? Hein? Ça, c'est en portugais, non? Que passe, ouais. Ouais? Oui, ça se dit aussi. En espagnol. Que passe ça, c'est espagnol. Après, c'est quoi? Ah, ouais. c'est pas qu'est-ce qui se passe ça? Mais c'est comme ça, c'est en portugais. C'est en portugais comme ouais, ça? Ouais. Ah, ben, qu'est-ce qui se passe alors? Donc, ok, c'est bon. Ok. Bon, ben, tu vois, comme en portugais revient à chaque fois. Comme l'anglais. Comme l'anglais. Amen. Gloire à Dieu. Ouais, bah écoute, une très bonne nouvelle, on a eu... Juste avant que tu l'annonces, cette nouvelle, vous pouvez, si vous le souhaitez ce soir, bien sûr, nous appeler pour proposer un cantique, une chanson. Hein, Klein, c'est notre frère, est au piano avec une sœur et d'autres hein, qui sont là pour chanter avec nous. Et donc, vous pouvez nous appeler pour donner gloire au Seigneur par rapport à la nouvelle qu'on va vous apporter et effectivement nous proposer des éventuels chants. Voilà. Ouais. Ah ouais. Donc, ouais, bah, très bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à avoir, par la grâce du Seigneur et par le Seigneur surtout, mm-hmm. bah, la somme qui nous est demandée pour l'achat du 26. Du bâtiment du 26. Voilà, du bâtiment du 26. Le 26, c'est le numéro. Hein. Oui, le numéro. Donc, voilà, parce que les gens se disent, le 26 à chaque fois, c'est quoi? C'est ouais. Le 26, c'est le numéro de la rue mm-hmm. et, où nous sommes. En fait, le bâtiment où il y a des réunions de réveil, de réunions de formation, de didasco, tout ça. Effectivement. Ouais. Donc, c'est un bâtiment... qu'on utilise depuis quelques temps, depuis quelques années. Mm-mm. Et le propriétaire qui nous a vendu le bâtiment du 24 nous a dit carrément, nous a sommé hein, ouais. d'acheter ce bâtiment parce qu'il comptait s'en débarrasser. Il voulait les vendre. Effectivement, ouais. Et on s'est dit, bah, s'il le vend, on ne sait pas qui va en être propriétaire. On risque d'avoir avec nous des voisins Mm-mm. pas très recommandables. Tout à fait. Donc, alors on s'est dit, bah, pourquoi pas hein,
s'organiser pour pouvoir acquérir ces locaux. Et le 23 janvier, tu as fait l'annonce. Le 23 janvier de cette année. Voilà. Donc, j'ai fait officiellement l'annonce, effectivement. Ouais. Donc, nous sommes en septembre. Donc, ça fait quoi, 9 mois ? Un peu moins de 9 mois. Et l'annonce a été faite. Et il fallait combien à peu près, là, David ? Il fallait en tout, hein, 223 600 avec les frais de notaire. 223 000 avec les frais de notaire. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Donc, moins de 8 mois. Moins de 8 mois, oui. OK. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah... Moins de 8 mois ? Oui, moins de 8 mois. Ouais. Janvier, pas février, mars, septembre, 8. Fin de septembre, 23 septembre, ça fera 8 mois. OK. Voilà. Ah ben, ça alors ? Oui, oui, ça alors. Waouh ! Eh ben, on peut acclamer le Seigneur, hein, toi. Attends, c'est grave. Avant d'aller plus loin encore, un chant là. Mon Dieu. Waouh. Sois loué, tu es le Dieu de miracles. Sois loué, Jésus est. Sois loué, Jésus. Sois loué, oh. C'est toi qui nous surprends. Sois loué, Jésus. Sois loué, Jésus. Sois loué, tu es le Dieu qui fait des grandes choses. Sois loué, Jésus. Sois loué. Jésus, sois loué. Oh, oh Jésus, sois loué. Sois loué. Jésus, sois loué. Oh Jésus, sois loué. Oh, tu es le Dieu qui fait des grandes sois choses. Loué. Oh Jésus, sois loué. Jésus, sois loué. Nous t'élévons pour tout ce que Jésus. Tu fais. Jésus, Jésus, sois loué. Jésus, sois loué. Élevons ton nom pour tout ce que sois tu es. Loué, Jésus. Sois loué, Jésus. Sois loué, c'est toi le seul et le véritable Dieu. Sois loué, oui Jésus. Sois loué, oui Jésus. Sois loué, en dehors de toi il n'y a personne. Sois loué, oui Jésus. Sois loué, Jésus. Sois loué. Sois loué, sois loué, Jésus, sois loué. Alléluia. Donc David, à ce jour, j'ai vu c'est, l'image que j'ai là, c'est quoi ? C'est un cadran avec cette aiguille qui était sur 60, même sur 100 et quelques mille euros. Et puis tac tac, ça tourne avec une rapidité assez étonnante. Ça fait... C'est terrible. Hein ouais. Et là, ben, donc, du coup, là, à l'heure actuelle, David, il y a ce qu'il faut. Ce qu'il faut. Donc, plus de 223 600 ouais. euros. Donc, on n'a pas besoin d'aller faire un crédit. Non, du tout. Faire un emprunt. Même pas. Donc, on va payer le bâtiment, hein, les locaux du 24, 26, comptant. Comptant. Cash. Attends. Et ça, sans la dîme. Non. Et sans mettre la pression sur les frères et sœurs, naturellement. Et comment tu as vécu toutes ces choses depuis les dons que les gens font pour la BGC, pour l'achat du 24, aujourd'hui pour l'achat du 26. Comment tu vis un peu ces choses-là, toi qui gères ces, tout comment cet argent? Comment je vis? Ah, c'est spécial en fait. Hein. Moi, je connais pas ça. En fait, c'est vrai que c'est tous les jours en fait. C'est vraiment une forte mobilisation en fait. On se rend pas compte. Hein. Ouais. C'est vrai, on se rend pas vraiment compte.
une forte mobilisation des frères et sœurs, et tous les jours, et surtout là, les 3-4 derniers mois. Alors moi, je faisais les comptes à peu près une fois tous les 2-3 jours au départ, mm-hmm. puis après c'était tous les jours, et après c'était 3 fois par jour. 3 fois par jour. Mais je reçois les notifications en fait. Waouh, à chaque fois qu'il y a des dons, donc tu reçois les notifications. Ouais. Donc les dons PayPal, c'est une notification, wow. après on m'appelait, et puis du coup, il fallait faire des comptes rendus, des fois sur les réseaux sociaux. Tu sais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc quand on allait le faire, à peine des fois je le faisais, juste après notification, je fais quoi? Je change maintenant? Je ne savais pas trop comment, sur quel pied danser. Ouais, c'est assez impressionnant, vraiment impressionnant. Je sais pas. Enfin, donc, des miracles, des baptêmes, comme en Côte d'Ivoire, plus de 200 baptêmes, des Sidéens que Dieu guérit, avec des preuves médicales, des gens qui avaient le diabète que le Seigneur guérit. Et des étudiants qui viennent, parce que les locaux du 26, c'est aussi pour la formation de Didasco, hein, pour les sessions de Didasco, notre centre de formation biblique, que certains ont décrié et annoncé sa destruction, sa mort, sa fermeture, parce qu'il mettait soi-disant de l'équilibre, enfin, il mettait l'équilibre. Et là, d'un seul coup, ben, y a plus d'élèves, plus d'étudiants. Et le Seigneur a dit, ben, cette fois-ci, ben, non seulement que vous allez former les gens comme je vous l'ai demandé, hein, mais je vous donne des locaux pour travailler tranquillement. Hein? Donc certains frères et sœurs qui n'ont pas d'hôtel, je pense, qui sont sérieux, peuvent même être, je pense qu'on va avoir des matelas, ils peuvent même se loger là sur place. Ceux qui sont vraiment sérieux, je pense que tu en penses. Très bien. Et il y a une salle de bain à côté. Donc c'est quand même encourageant de voir le travail que le Seigneur fait, mes frères et sœurs. Donc, et il fallait cette somme pour le 29 septembre. 29, ouais. En fait. Parce que c'est là qu'on va signer. Exactement. Là, on va faire ça. Là. On va faire ça en direct. Hein. On va filmer, ouais. Avec Facebook, YouTube. Ouais. Mes amis, vous pouvez nous appeler si vous le souhaitez. Mais c'est quand même très encourageant. Alors, nous voulons vous faire un petit rappel. Hein, parce qu'il y a des gens qui viennent de découvrir le message. Voilà. Et qui n'ont pas forcément la genèse hein, du travail que le Seigneur fait. Et nous voulons rapidement vous faire un peu le compte rendu, le bilan de tout ce que le Seigneur a fait. Et donc, les réunions de réveil ont commencé quand précisément ici à Évry? Je ne sais plus parce que je suis tellement dépassé. Moi je ne sais pas, vous n'avez. On ne sait plus. Hein je ne sais pas. Donc, je crois que c'était en 2013. Hein 2013. Hein, si je ne me trompe pas. 2013. 2013, je crois. Donc, ça fait 4 ans. 4 ans. Et en 4 ans, le Seigneur a fait sortir plusieurs BGC, plus de 33 000 BGC. Il nous a fait acheter les locaux du 24, 225 000, si je ne me trompe pas. C'est okay. Ouais, à peu près. 225 000 euros. Un petit peu moins. Un petit peu moins. Et en tout cas, plus de 210 000 euros, en tout cas. Je crois que c'était un petit peu plus de 200 000 euros. Okay. Parce que c'est 180 et quelques, et les frais de notaire, tout que ça déplaçait est 200. 200, ok. Ouais. Donc, et ensuite, là, ben, c'est locaux du 26. Et j'ai vu, je vois la mobilisation des frères et sœurs. Je voudrais vous dire ce soir, pour l'achat de locaux du 26, nous avons la somme qu'il fallait, c'est-à-dire 223 600 €. Donc, ne donnez plus pour l'achat de locaux du 26, il y a assez. Comme à l'époque de Moïse, quand ils ont eu assez, ils ont dit aux gens, ne donnez plus. Donc, on n'est pas là pour prendre l'argent des frères et sœurs. Vous avez assez donné pour l'achat du 26. Donc, ne donnez plus. Et donnez pour autre chose, mais par rapport à l'achat, c'est réglé. Amen, amen. Alléluia. Et donc, on va faire une petite genèse hein, et des 3 locaux qui sont achetés pour, c'est pas pour avoir des méga church, mais pour pouvoir nous organiser. On va... Avant de montrer ces locaux, on va d'abord lire un passage dans 2 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 1er. Car pour ce qui est de la collecte qui se fait pour les saints, il est superflu que je vous en écrive. Car je connais votre esprit bien disposé, dont je me glorifie de vous devant ceux de Macédoine, leur disant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière. Et votre zèle en a excité plusieurs. J'ai envoyé ces frères afin que ce en quoi je me suis glorifié de vous ne soit pas vain en cette occasion et que vous soyez prêts comme j'ai dit, de peur que ceux de Macédoine venant avec moi et ne vous trouvant pas prêts, nous n'ayons de la honte, pour ne pas dire vous-même, de l'assurance avec laquelle nous nous sommes glorifiés de vous.
C'est pourquoi j'ai estimé qu'il était nécessaire de prier les frères d'aller premièrement chez vous et d'achever de préparer votre libéralité que vous avez déjà promise afin qu'elle soit prête comme une libéralité et non comme un fruit de l'avarice. Et je vous dis ceci, celui qui sème peu moissonnera aussi peu et celui qui sème abondamment moissonnera aussi abondamment. Que chacun donne selon ce qu'il a résolu dans son cœur, non pas avec chagrin ni par contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu est puissant pour vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours tout ce qui vous est nécessaire, vous abondiez en toutes sortes de bonnes œuvres, selon ce qui est écrit. Il a répandu, il a donné aux pauvres. Sa justice demeure à perpétuité. Que celui qui fournit de la semence au semeur veuille aussi vous donner du pain à manger. Multipliez votre semence et augmentez les revenus de votre justice, afin que vous soyez pleinement enrichis pour exercer une parfaite libéralité qui, par notre moyen, fait monter des prières de reconnaissance vers Dieu. Car le service de ce don est non seulement suffisant pour subvenir aux besoins des saints, mais il abonde aussi de telle sorte que plusieurs ont de quoi faire des prières de reconnaissance envers Dieu. Par suite de ce service dont ils ont fait l'expérience, il glorifie Dieu pour la soumission dont vous faites profession pour l'évangile de Christ et de votre prompte et libérale communion envers eux et envers tous. Il prie Dieu pour vous et il vous aime très affectueusement à cause de la grâce excellente que Dieu vous a accordée. Grâce soit rendue à Dieu pour son don inexprimable. En fait, Paul a vécu la même chose. Et les saints, les frères et sœurs de la Macédoine, ont particulièrement soutenu l'œuvre que le Seigneur avait confiée à Paul. Et Paul a écrit justement ce passage pour les encourager, pour leur dire que leur soutien a permis aux frères et sœurs de la Macédoine, de Jérusalem notamment, et de la Judée particulièrement, où effectivement il y avait Jérusalem là-bas, de pouvoir rendre des actions de grâce au Seigneur, des remerciements. Et c'est pour ça que ce soir nous avons voulu qu'il y ait un temps de remerciement. Hein, ou des actions de grâce, parce que c'est ça notre objectif, hein, c'est dire merci au Seigneur pour toutes ces belles choses qu'il nous permet d'expérimenter, en dépit des dires, hein, des calomnies, des critiques, et des menaces carrément, et en dépit de tout ce que les gens ont pu colporter, rapporter, disant que c'est fini, Dieu n'est pas là, ou Dieu n'est plus là, ou c'est la magie, c'est la sorcellerie, c'est le vaudou. Tout ça parce que ces personnes pensaient que hier, en partant, elles allaient partir avec le Seigneur, alors qu'elles ont trouvé le Seigneur dans le travail, dans son œuvre. Et ces personnes qui pensaient être ceux et celles qui apportaient l'équilibre. Mais Dieu est juste. Dans tout ce qui se fait, nous ne voulons pas nous glorifier de quoi que ce soit. Au contraire, nous voulons encore être dans l'humilité, dans le tremblement devant le Seigneur et reconnaître que personne n'est indispensable dans le royaume de Dieu. Personne n'est indispensable par rapport à l'œuvre du Seigneur et Dieu seul soutient son œuvre et qu'il n'y a pas besoin d'une foule de personnes pour que l'œuvre du Seigneur avance. Il est plutôt recommandé. Hein. Donc, en fait, c'est le Seigneur lui-même qui fait son œuvre. Voilà. Dieu n'est pas dans la majorité, Dieu n'est pas dans la foule, Dieu est dans la qualité. Et c'est ce que nous tirons comme leçon de toutes ces choses-là. Hein, il y en a qui pensaient que c'était eux qui faisaient le travail, que c'était grâce à eux, alors que l'œuvre a toujours fonctionné comme ça. Le Seigneur a toujours honoré depuis 99 que le Seigneur m'a fait commencer ce travail ici à Paris. Et je ne cesse de voir la fidélité, d'expérimenter la fidélité du Seigneur dans tout ce qu'il nous donne à faire. Et tant sur le plan spirituel avec toutes ces guérisons, toutes ces délivrances, tant sur le plan spirituel que matériel, financier, tout ça, là, Dieu a toujours été fidèle. Il y en a qui vont dire, mais oui, mais qu'est-ce qu'ils vont nous chanter parce qu'ils ont eu l'argent pour acheter un bâtiment alors qu'ils dénonçaient les bâtiments hier. Mais en fait, on dénonce les méga-churches, on dénonce l'idée, cette doctrine qui fait croire aux gens, que ces enseignements qui font croire aux gens que les bâtiments, ce sont ceux-là, les églises. Voilà ce que nous dénonçons. Mais le fait d'avoir un local pour pouvoir s'organiser comme là, hein, ces locaux du 24 où nous avons installé TV de vie, ou les locaux, notamment de Courcouronne, vous allez voir les images tout à l'heure, où nous avons des locaux qu'on a achetés il y a 14 ans et dans lesquels on a mis une épicerie solidaire, on a mis aussi un service pour pouvoir s'occuper des SDF, hein, qui sont de temps à autre logés sur place. Et donc, c'est des moyens que Dieu donne pour pouvoir nous organiser.
Voilà. Donc, le Seigneur nous a mis à cœur de former les gens afin que ces derniers soient dans le champ, dans la moisson du Seigneur. Donc, voilà, il faut s'organiser. Donc, voilà pourquoi les locaux du 26 vont être, achetés, donc le 29 de ce mois-ci, pour permettre à ce que les frères et sœurs soient formés, tout ça là. Donc, et Dieu fait, Dieu honore. Oui, nous pouvons témoigner, glorifier le Seigneur parce que sans la dîme, sans mettre la pression sur les frères et sœurs et sans être dans une fédération, dans une association des pasteurs, Dieu honore son œuvre. Voilà. Et ceux qui vont dire c'est la sorcellerie, c'est la magie, tout ça, ben nous voulons voir leurs fruits. Voilà. C'est bien beau de parler, de critiquer les autres, de dire c'est la sorcellerie, mais vous qui avez le Saint-Esprit, soi-disant, eh ben nous voulons voir aussi les œuvres. Voilà. On reconnaît un arbre à ses fruits. Et le Seigneur disait, si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins aux œuvres. Vous allez me dire, mais oui, mais les autres religions qui n'ont pas Jésus ont plus que vous. Frères, nous voulons glorifier le Seigneur dans les petites choses parce que nous reconnaissons que ce qui se passe ici, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre du Seigneur. Et si vous n'êtes pas content, ben vous pouvez aller voir ailleurs, vous n'êtes pas obligé de regarder et nous suivre. Donc voilà, moi quand je ne suis pas content par rapport à un travail qui se fait quelque part, je passe mon chemin. Voilà, je ne m'arrête pas dessus et vouloir chercher les failles pour critiquer. Donc je crois que le fait que le Seigneur agisse comme ça ben, prouve que ben, vous qui n'avez pas de fruits, ben, Dieu n'est pas avec vous. C'est aussi simple que ça. Parce que vous courez, vous avez des dettes. Hein, il y en a un qui est à Nantes là-bas, là aujourd'hui, il a laissé l'église que Dieu m'a fait implanter là-bas aujourd'hui. Ben, ils ont 48 000 euros de dettes. Hein, et ouais, la honte, moi je veux voir les fruits. C'est ça. Donc nous voulons dire haut et fort que c'est le Mont Carmel, Dieu honore. Amen. Voilà, Dieu honore les gens qui l'honorent. Voilà, donc on va montrer donc les images là tout à l'heure. Et le Seigneur nous dit dans ce passage qu'il donne la semence au semeur. Hein, il lui donne en fait du pain pour sa nourriture. Oui, Dieu nous a donné les moyens, donne les moyens pour pouvoir venir en aide aux frères et sœurs, pour pouvoir nous organiser. Ben, nous voulons lui dire merci. Merci. Nous voulons dire aussi merci aux frères et sœurs du monde entier. En tout cas, je me rends compte que je ne suis pas seul. Que même si je crie seul ici et là, mais il y a toute une armée à côté. Hein, je ne dirais pas derrière parce que seul Christ marche devant nous, mais il y a une armée à côté de frères et sœurs. Ils sont italiens, ils sont camerounais, ils sont ivoiriens, ils sont chinois, ils sont indiens, ils sont métis, ils sont du Maghreb, Algérie, Tunisie, ils sont des îles, ils sont de la Martinique, de la Guadeloupe, antillais, ils sont américains, ils sont africains, ils sont européens, ils sont blancs, ils sont noirs, ils sont petits, ils sont grands, ils sont pauvres, ils sont riches. Je voudrais personnellement ce soir vous dire merci. Merci pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point je suis encouragé. Parce que ce n'est pas toujours facile d'être la bête noire de beaucoup de faux, hein, de faux pasteurs, de faux chrétiens, des gens qui ont des ministères de canapé, qui ne font rien, qui ne font que critiquer, qui ne chassent pas les démons, qui ne font pas l'œuvre du Père, et, ou des gens qui sont derrière leur pupitre, qui ne vont jamais nulle part, et qui essaient de faire des écoles de formation ici et là, qui vont dans les maisons, à gauche, à droite, enseigner dans les couples, des gens qui les ont décriés hier, aujourd'hui ils retournent à leur vomi. Donc, nous voulons vous dire merci parce que malgré tous ces combats, je m'aperçois qu'il y a un peuple, que Dieu a des enfants à lui, à qui il communique sa pensée et à qui il révèle son plan, et ses enfants du Seigneur, bien sûr, participent dans la prière à son œuvre. Je voudrais aussi dire un grand merci aux chrétiens, aux frères et sœurs qui n'ont pas des moyens financiers ni matériels et qui auraient tant aimé participer financièrement, matériellement et qui n'ont pas pu. Ne vous sentez pas condamnés parce que le besoin dont on a le plus, mes amis, le soutien dont on a le plus besoin aujourd'hui, c'est plutôt vos prières. Donc vous avez déjà beaucoup donné en priant pour nous. Croyez-moi. Donc vous êtes participants de l'action, de l'œuvre que le Seigneur fait. Donc même ceux qui ont donné 0, même ceux qui ont donné 1 euro, même ceux qui ont donné 2, peu importe, vous avez contribué. Il y en a un par la prière, d'autres par des conseils, d'autres par des dons qu'ils ont envoyés. Je vois des chèques qui sont à chaque fois envoyés. Je voudrais vous dire merci. Parce que si vous n'étiez pas là, je pense que, bien sûr, le Seigneur au travail de vous, je pense que personnellement, il y a longtemps, j'allais arrêter. Parce que quand on forme des gens, quand on accueille des frères, on les encourage, on les forme, on leur confie à gérer des assemblées, à gérer des centres de formation, et demain, ils les mêmes disent c'est le vaudou, c'est la sorcellerie, alors qu'ils ont fait des vidéos hier pour dire c'est Dieu. C'est très, très dur sur le plan humain. C'est très dur. On n'est pas du béton, on n'est pas des machines, on a un cœur, hein, de chair, et c'est très, très dur. Mais je vois cette grande mobilisation des frères et sœurs du monde entier. Et j'ai vu que nous sommes vraiment un corps
J'ai vu des enfants du Seigneur dans le monde entier. Hein. Donc, comme je disais, des gens de toutes sortes, des frères et sœurs du Liban, des Juifs, des Arabes, des Noirs, des Métis, de tout, des gens de tout horizon. Prendre à cœur cette vision, cette œuvre. Des frères et sœurs des États-Unis que j'ai eu hier, qui se sont mobilisés pour faire un don via PayPal, tout ça là. Et je dis, Seigneur, mais c'est des frères et sœurs du Canada, du monde entier, tout le monde a mis la main à la patte. Et je me dis, Seigneur, mais c'est terrible. Je ne dois vraiment pas baisser les bras parce que beaucoup seront déçus. Malgré les dires, malgré les critiques, les frères et sœurs se disent, non, Dieu travaille, Dieu fait avancer son œuvre. Non, le Seigneur est magnifique, mes frères et sœurs. Je vois les commentaires, tout ça des uns des autres, pour encourager le travail qui se fait. Des gens qui plient les genoux devant le maître, devant le père, pour dire, Seigneur, soutiens ces hommes et ces femmes. Et le Seigneur est fidèle. Je voudrais dire aussi un grand merci aux frères et sœurs, sans oublier, bien sûr, de l'Assemblée d'Evry qui ont aussi beaucoup travaillé, qui ont beaucoup aussi participé, tout ça, là, et mobilisé, qui nous ont cédé ce local pendant... parfois, ils annulaient leur programme pour qu'on ait des problèmes de réveil. Et dire un grand merci à tous les enfants du Seigneur. Et sans oublier, bien sûr, à mon frère Hugues et Maïna, son épouse qui était les premiers. Hein. Hugues, c'est lui qui a trouvé les locaux du 26, en fait. Hein. Dieu l'a conduit à trouver ces locaux-là parce que c'est des gens qui ne demandent rien, qui ont fait un travail énorme dans cette vision et qui sont dans l'ombre depuis des années. Ils ne demandent rien. Ils ne sont pas là en train de casser le travail qu'ils ont bâti ici. Et ils ne sont pas là à faire des vidéos pour casser, pour condamner, pour détruire. C'est des gens vrais. Ils n'ont pas craché dans la soupe comme beaucoup l'ont fait, qui ont reconnu hier que la Trinité était diabolique et aujourd'hui ils sont repartis dans leur vomi. Hein. Donc, ça, c'est les enfants du Seigneur ont vu clair. Ils ont vu clairement où sont les véritables, qui sont les véritables méchants. Dieu est juste. J'ai vu la fidélité des frères et sœurs, d'autres assemblées, bien sûr, et des frères et sœurs, d'autres assemblées qui se sont mobilisées. Il y en a beaucoup, hein, que ce soit à Colombes, des frères et sœurs de Danière, de plusieurs endroits, Je ne pourrais pas tous vous citer, mais je sais que vous êtes dans la joie comme nous de voir à chaque fois l'accomplissement de la vision que le Seigneur nous a mis à cœur. Et au nom de Yeshua, Dieu est bon. Nous allons nous marchons grâce au Seigneur. Hein, et je dis, c'est le Mont Carmel que chacun prouve, montre en fait ses œuvres. Et les chrétiens, c'est eux qui vont juger qui est de Dieu et qui ne l'est pas. Parce que moi, je reconnais que je ne peux pas toucher autant de cœurs sans, bien sûr, le Seigneur, sans l'aide du Saint-Esprit, parce que c'est celui qui convainc. Voilà. Et comme vous le voyez vous-même, l'argent que vous donnez, c'est toujours géré, c'est géré correctement. Et David est là, donc c'est géré correctement. Et d'ailleurs, pour votre information, il y a beaucoup de personnes, des enfants, des jeunes qui sont soutenus financièrement dans les coulisses. On ne va pas le dire haut et fort, mais il y a un travail qui se fait. Donc, regardons quelques images là des locaux qui ont été achetés grâce à vos dons. Voilà, donc on y va. Martin à Courcouronnes, au siège social du Pain Quotidien, et tous les frères avec sœurs avec qui on travaille, que ce soit le Grenier Solidaire et la Voix des Sans-Voix. Et là, on va essayer d'aller vous faire visiter les locaux, ce qui se fait depuis maintenant près de 10 ans. Nous avons pu accueillir ces locaux par la grâce du Seigneur. Ben, nous sommes dans les locaux à Courcouronnes, locaux que nous avons pu accueillir par la grâce du Seigneur par rapport à la vision. Ce sont les premiers locaux qu'on a achetés comptant, cash, il y a 14 ans, 15 ans de cela à peu près. Et voilà, donc. Au niveau du Pain Quotidien, où on soutient près de 10 orphelinats, en tout cas dans le monde, que ce soit au Mexique, que ce soit en Haïti, en Mali, Mali, Bénin et beaucoup d'autres pays. On s'occupe, on met en place le parrainage avec l'alimentation, la scolarisation, suivi médical et la formation chrétienne des enfants orphelins de quatre coins du globe. Là, on va vous faire voir en parallèle, comme le travail du Pain Quotidien se limite plus au niveau du parrainage avec le suivi. Ici, on a les locaux où on fait des réunions et là, c'est un peu la réserve par rapport au Grenier Solidaire au niveau de l'épicerie. Voilà. On accueille au jour de l'heure d'aujourd'hui, ça a été créé depuis 3 ans maintenant. À l'heure d'aujourd'hui, il y a près de 700 familles qui bénéficient. Et avec bien sûr des denrées alimentaires à stock.
un peu de pistache, de ce qu'ils ont à manger. Oh, et voilà. Une réserve. C'est un peu la réserve de l'épicerie et de l'autre côté, on va aller voir l'épicerie en lui-même. Les bureaux pour la permanence juridique. Bien sûr, au-delà de donner l'aspect alimentaire, on a aussi, on reçoit des personnes sur l'aspect juridique et administratif. Parce qu'on le prêche bien, on ne peut pas travailler avec les papiers d'autrui ou faire de la fraude. Mais quelles sont les solutions qu'on donne aux frères et sœurs qui sont coincés administrativement parlant? Ben, on a mis en place une permanence juridique avec des juristes. Et puis, si on peut engager on appelle les frères administratifs au niveau du pain quotidien, on essaie de soutenir les frères et sœurs dans ce sens. Et là, nous allons faire visiter un peu l'épicerie où les familles viennent avec un ticket, et puis vous allez remarquer sur les étagères, sur les paquets, il y a les prix des denrées. Non pas que les gens payent à la fin, parce que nous avons reçu gratuitement, nous donnons gratuitement, mais c'est un peu un aspect socio-éducatif pour que les gens restent encore avec la réalité que vous avez à payer par rapport à tout ce qu'ils vont obtenir à la fin. Et on a de quoi, côté alimentaire. Je dirais là, aujourd'hui, pendant 2 jours, de vendredi et samedi, vendredi, samedi, dimanche, nous recevons des familles. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on est dimanche, il n'y a presque plus rien. Et chaque fois, on essaye de faire le stockage. Et Dieu nous fait grâce, en tout cas, au niveau de l'épicerie. Là, on va essayer d'aller voir la salle un peu de réunion. Et là, la salle de réunion, où on se retrouve un peu avec les frères et sœurs pour essayer de faire le travail. On vient aussi passer le temps de prière. Prier avec les frères et sœurs, faire des réunions, et chaque entité, en tout cas au niveau du social, que ce soit le grenier, que ce soit le pain quotidien, la voix de son voix, voilà, on essaye en tout cas logistiquement de se trouver un temps pour se retrouver, et surtout se retrouver chaque dimanche pour prier, adorer le Seigneur ensemble. Et bien sûr, là aussi, le samedi, on reçoit les sans-abri. Les sans-abri, on a un culte un peu avec les sans-abri après un repas, on partage un repas avec eux. De plus en plus, par la grâce du Seigneur, il y a des conversions et on rend gloire au Seigneur parce que l'Évangile aussi, le Seigneur est venu chercher, sauver ceux qui étaient perdus. Et je vais laisser peut-être Grégory nous présenter la cuisine et comment ça se passe avec le repas au niveau de la voie des sans-voix. Alors, bonjour. Alors, au niveau du repas, en fait, ici, on a la cuisine où on peut préparer vraiment ce qu'on fait, en fait, au niveau des repas pour les sans-abri. Alors en fait, le repas, c'est 2 fois par mois, les 2 derniers samedis du mois, et le vendredi d'avant, en fait, donc la veille, on s'en va en maraude. Ce qui nous permet en fait comme ça de pouvoir rencontrer les sans-abri et de pouvoir les faire venir ici le lendemain dans nos locaux. Et le Seigneur nous a conduits différemment encore au niveau des maraudes, puisque maintenant c'était la veille, chose qu'avant on n'était pas, enfin c'était pas la veille avant. D'accord. Et maintenant, et voilà, donc ça en fait c'est le bureau là. Qu'on va appeler la réinsertion sociale, en fait, simplement parce que on a, par la grâce de Dieu, en fait, on a une sœur avec nous qui est dans le social, et du coup, avec le matériel qu'on a eu par les dons de frères et sœurs, on a pu, en fait, mettre en place un pôle, en fait, réinsertion sociale, où les sans-abri pourront venir dans nos locaux, on pourra les recevoir, et ensuite pouvoir avoir, suivant, en fait, comment le Seigneur nous conduit, et par rapport aux différents emplois qu'on peut avoir en France, les intégrer, en fait, les réintégrer dans la vie professionnelle. Voilà. Et donc, on a aussi des matelas. Ici, on en a 6, en fait, puisque avec le froid, avec le plan grand froid qu'il y a eu cette semaine, on va essayer de voir comment le Seigneur conduit les choses pour vraiment pouvoir mettre en place des hébergements d'urgence. Avoir une équipe prête, et comme quand partir en maraude, vraiment pouvoir en fait simplement héberger les personnes qui peuvent, parce qu'on a pu le voir encore cette semaine avec le froid qu'il fait, on a rencontré des situations compliquées, des sans-abri dans des situations très 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 précaires, et du coup on essaie, on va voir vraiment. Voilà mes amis, ça c'est David, donc il y a des locaux qu'on a pu acheter il y a 14 ans, 2015 ans, et pareil, hein, donc sans crédit, le Seigneur a donné les moyens. Et ça, c'est à Courcouronnes, et pas très, très loin de là où nous sommes, hein, à présentement. Et c'est des locaux donc, qui sont transformés, en fait, dédiés au pôle social. Hein, dédiés au social. Donc, je pense que mon frère Pierre, qui s'occupe, qui travaille dans le social, avec le pain quotidien, avec Louciane, hein, dans ces locaux, peut nous donner quelques informations. D'ailleurs, tu as été envoyé tout en mission en Tunisie. Oui.
Oui, effectivement. Donc, ces locaux, bon, ça nous permet aussi de prendre un temps dans la prière avec différentes associations que le Pain Quotidien, comment le Pain Quotidien s'est organisé. Nous avons la Voix des Sans-Voix, nous avons les Greniers Solidaires. Donc, nous avons tous ces pôles-là qui s'occupent d'aller voir les sans-abri maintenant vraiment sur le terrain. Et nous avons aussi l'autre pôle qui s'occupe des suivis de ces personnes pour leur réinsertion. Et puis nous avons aussi le côté parrainage. D'accord. Parce que nous avons des enfants partout dans le monde auxquels nous suivons. Nous suivons par rapport à leurs études, par rapport à leur santé, par rapport à leur vie au quotidien. Donc nous avons des orphelins, des démunis partout dans le monde. Nous avons par exemple en Haïti, nous avons une école avec 34 enfants. Là, nous allons commencer bientôt avec une autre école, une deuxième école. Et nous avons Madagascar, nous avons 34 enfants aussi. Nous avons au Congo encore 26 enfants. Là, nous avons commencé avec la Chine. Avec la Chine? Oui. Alors, donc, chaque mois, le Pain Quotidien envoie combien Alors, dans notre budget global, parce qu'il y a des périodes, par exemple, dans la rentrée scolaire comme ça, il y a beaucoup d'argent. Hein. Nous avons beaucoup d'argent qui partent pour pouvoir démarrer l'année scolaire. Avec, près de 10 000 euros. Ça, c'est en gros, hein, ce que nous envoyons, parce que nous avons plus de 120 000 euros hein, de budget quand même. Nous dépassons les 120 000 euros. Wow. Donc, nous avons plus de 10 000 euros hein, quand même, ce qu'on nous envoie par mois. Oui. Plus parce de 10 000 euros à envoyer dans le monde entier pour aider les pauvres, grâce à vos prières, grâce à vos dons. Vous voyez, mes amis, nous sommes, grâce au Seigneur, totalement dédiés au service des frères et sœurs. Et c'est pour cela que les gens qui vont critiquer, qui vont parler, on leur dit, on se dit, mais on n'a pas le temps là. On n'a pas le temps parce que c'est la distraction, on n'a pas le temps. Il ne faut pas s'arrêter là-dessus parce qu'il y a tellement de besoins. Il y a des pauvres, des orphelins, des veuves qui souffrent, qui galèrent. Il faut leur venir en aide. Je crois qu'au Mexique, il y a des soutiens. Oui, donc là, la Colombie. Commence. Et là, au Mexique, nous avons déjà des enfants que nous soutenons. Donc, vous voyez, donc, si même par mois, nous pouvons envoyer 6 000 euros, 5 000, 6 000 euros dans les structures, il y a des mois comme de septembre, comme ça, on est obligé de sortir 30 000, 40 000 euros. Par mois. Ben oui, dans ces mois-là, parce que nous devons payer l'école, les rentrées scolaires. Chaque enfant. Oui. Donc, 30 000, 40 000 euros. Ben oui, parce qu'on est obligé de payer les rentrées scolaires de l'université en Tunisie et tout. Et avec tout ça, les ministères de canapé qui sont assis là, qui ne font que crier sur tout, tirer sur tout ce qui bouge, qui vont s'asseoir avec les impies et ils osent parler. Alors qu'il faut faire l'œuvre. Aidons les frères, aidons les pauvres, aidons les gens qui ont les besoins. Si c'est ça le vaudou, alors vous qui avez le Saint-Esprit, on aimerait quand même voir vos œuvres là. Honnêtement. On vous fera un budget pour savoir cette année jusqu'où on peut aller. Mais en tout cas, l'œuvre c'est fait. C'est très, très encourageant de voir qu'on a mis les pieds en Chine. Et nous avons les enfants. Bon, ça nous encourage, hein, nous-mêmes. Gloire à Dieu. Les enfants chinois. Ah oui, les enfants chinois. Donc là, tu es parti à Tunis pour voir, en Tunisie, pour voir nos enfants là-bas. Oui. Et, des enfants qu'on a eu à Kinshasa, hein, oui, à l'âge de 8 ans, 9 ans, et qui ont grandi, qui ont eu leur diplôme bac là-bas. En fait, c'est vrai quand on appelle des enfants comme ça, quand je suis allé le voir, mais on a affaire à des hommes et des femmes. On dit nos enfants, à chaque fois, je le dis, même quand j'écris pour faire le rapport, oui, c'est des majeurs. Oui, parce que moi, on les a eu à 9 ans, 10 ans. C'est des hommes, ouais, j'avais affaire à des hommes. Donc, voilà. Donc, ils sont combien, 8? Oui, c'est qu'on a 8. On avait 8, mais sur le plan disciplinaire, hein, donc on les suit, on les encadre et puis on punit. Ok. On punit quand il y a. On ne punit pas avec le fouet, hein, parce qu'après vous allez dire ça y est, ils maltraitent les enfants. Après, on sort ça dans un journal parce que ça va très vite, hein, la main des journalistes ici qui ne font aucune investigation, pas tous, mais certains qui veulent faire du buzz. Hein, ça tire sur tout ce qui bouge. Voilà. C'est plus en plus difficile quand les enfants commencent à voir. Là, nous sommes en train de voir un peu comment nous organiser. Parce qu'au Madagascar, par exemple, les encadrants, ils disent que les enfants qu'on avait pris à 7-8 ans, ils ont 14-15 ans. Ça commence à devenir difficile pour leur encadrement. Oui. Bien sûr. Donc, on a vraiment, vraiment besoin de la prière des uns et des autres. Mm-hmm. Et on a besoin des encadrants, on a besoin des missionnaires pour les Madagascar. Vous voyez, il fallait des locaux oui, pour pouvoir s'organiser comme ça. Parfois, comme je vous ai dit, hein, comme le frère l'a dit, parfois, il y a des mois où ils peuvent arriver, comme là, la rentrée, là, à envoyer 30 à 40 000 euros juste en un mois pour subvenir aux besoins liés à la rentrée scolaire, hein, de tous ces enfants dans le monde entier.
Et il fallait des locaux pour pouvoir s'organiser comme ça. Voilà pourquoi il y a 14 ans et demi, on a pu acheter ces locaux. On a cotisé de l'argent, on a mis l'argent de côté. On a pris ces locaux. Donc, il y a toute une organisation sociale pour aider les personnes qui sont dans les besoins. Comme le maître l'a dit, Jésus a guéri les gens, Jésus a prêché l'évangile, il a ressuscité les morts, mais il a aussi multiplié du pain, du poisson pour nourrir les pauvres. C'est cela aussi l'évangile. C'est la mission que l'Église a reçue. Hein, pas seulement s'exciter derrière sa caméra et puis déblatérer toutes sortes de niaiseries comme beaucoup le font aujourd'hui, parce qu'avec le ministère de YouTube, hein, c'est beaucoup plus facile. Voilà, travaillons. Moi, je voulais vous dire, frères et sœurs, la vision est là. Avançons, travaillons, le maître revient. Et encourageons tous les autres enfants du Seigneur qu'on ne connaît pas forcément dans le monde entier, qui font le travail parfois mieux que nous, ben, on les encourage à continuer le travail. Donc là, chaque enfant à Tunis, par exemple, ceux qui sont à la fac là-bas, coûte combien? Waouh. Il faut savoir que c'est un programme qui nous a coûté près de 20 000 euros. Donc, c'était dans des mois comme ça, hein, où on doit payer leur rentrée. Parce que bon, l'année dernière, c'était un peu plus cher parce qu'il fallait payer les billets. Mm-hmm. Hein, donc, c'est des programmes de près de 2 000 euros par enfant. Oui. Et puis, il faut chaque mois leur envoyer l'argent. OK. Donc, vous pouvez nous appeler si vous le souhaitez, mes amis. Que Dieu soit béni. Donc, ensuite, il y a les locaux du 24, hein, pour, David. Acheté il y a 3 ans et demi, 4 ans, je crois. Je ne sais plus, 3 ans. On ne sait plus, on est dépassé, donc je comprends. Voilà, donc c'est sûr que le Seigneur, il nous surprend. Donc ces locaux achetés pour TV de vie, donc voilà. Mm-hmm. Les locaux pour TV de vie. Donc aujourd'hui, on s'est organisé dans ces locaux pour pouvoir travailler et avec la camionnette de la régie mobile qui est là. Ouais. Donc, rapidement, on va voir les images là rapidement. Je pense que les travaux n'étaient pas encore finis. Ça, c'est les travaux n'étaient pas finis, ouais, effectivement. Donc, rapidement, du 24. Ça, c'est le loco du 24 où nous sommes présentement. Donc, on était en plein travaux. Et des locaux aussi achetés contents grâce à vos dons. Et ça nous permet de nous organiser. Et rappelez-vous bien que nous ne sommes pas une église locale. C'est une mission, hein, parce que les gens pensent que tu veux devenir une église, donc il faut des anciens, il faut des diacres. C'est une mission. Et en tant que mission, on a à s'organiser, comme là, par exemple, c'est des locaux, des bureaux, où il y a des techniciens qui travaillent, des gens qui travaillent, et tout ça. Voilà, donc c'est une mission. C'est pour cela que vous nous voyez... aller beaucoup en mission ici et là. Donc ça, c'était une ancienne salle de classe de Didasco et elle est devenue trop petite. Donc s'il y a beaucoup de monde, on peut faire plusieurs salles de classe comme ça. Ça, il n'y a pas de problème. Et, hein, donc on peut faire cette salle de classe, l'utiliser et utiliser aussi les locaux du 26 pour une autre salle de classe. Donc les besoins deviennent énormes. Il y a beaucoup de gens qui ont soif, qui viennent du monde entier pour se former. Voilà, donc ce sont vos locaux à vous. Hein, parce que c'est avec l'argent que le Seigneur vous a donné que vous avez... que vous avez utilisé pour l'achat de tous ces locaux-là. Voilà. Donc, que le Seigneur soit béni. Donc, je pense que les locaux du 24, les gens les ont déjà vus. Hein. Donc, oui. À part les nouveaux, bien sûr. Oui. Donc, voilà. Donc, voilà. Alors là, c'était les anciens. On était en plein travaux. Et tout a changé ici. Hein, donc, depuis. Là, c'est la régie mobile. Voilà. Donc, tout a changé. On a fait des travaux. On a tout changé là-dedans. Et que le Seigneur soit béni. Donc, voilà. Tout ça, c'est grâce à vos dons. Donc, je rappelle encore, nous ne sommes pas une église. Bien sûr, le Seigneur, dans le passé, nous a fait implanter des églises partout. Mais à l'heure actuelle, TV de vie est plutôt une vision missionnaire. Vous voyez? Donc, une vision missionnaire. C'est dans cette vision, il y a TV de vie. Il y a Radio de vie. Il y a, bien sûr, Didasco, le centre de formation. Il y a le pain quotidien avec le grenier solidaire, avec ça c'est l'aspect social. Donc c'est une mission, hein, c'est une mission et qui s'étend dans le monde entier. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas une dénomination et c'est une mission comme beaucoup d'autres ont reçu, comme hier des hommes et des femmes de Dieu ont reçu l'appel du Seigneur pour travailler. Voilà. Donc là c'est le loco du 26. Ce sont les locaux que nous allons acheter le 29 de ce mois-ci. Donc là c'est un bureau. Voilà. Et donc, ce sont des locaux pour lesquels vous avez cotisé, envoyé vos dons. Et comme je vous l'ai dit à l'heure actuelle, comme David l'a dit, hein, donc à l'heure d'aujourd'hui, nous avons eu assez
pour pouvoir acheter ces locaux. Donc 223 600 euros. Voilà, donc il y a ce qu'il faut et que le Seigneur soit béni. Donc vous voyez, quand il y a une formation de Didasco, eh ben, c'est rempli hein, d'étudiants et ils viennent du monde entier. Voilà, donc que le Seigneur soit béni pour son œuvre. Alors, on a quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Oui, je voulais intervenir par rapport à la vision. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui, le Seigneur, il est vraiment bon, bon, bon. Je savais que dès lors qu'il m'avait dit d'écrire sur le site Facebook de TV de vie, c'est réglé. Je savais qu'il fallait que je fasse confiance à mon Dieu, qu'il allait intervenir puissamment dans cette affaire. Je le savais. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Oui, il faut savoir être patient. Alléluia. Hein? À chaque fois qu'on est patient, le Seigneur, hein, il nous donne plus de fruits. On porte plus de fruits. Alléluia. Ah. Je voulais chanter un chant pour le Seigneur. Amen. Notre Seigneur et notre Dieu. Alléluia. Vous pouvez m'accompagner si vous le voulez bien. Tu es dit notre Seigneur et notre Dieu de recevoir la gloire. Tu es dit notre Seigneur et notre Dieu de recevoir la gloire, la louange et l'honneur. Pour l'éternité, tu es dit notre Seigneur et notre Dieu de recevoir la gloire. Tu es dit notre Seigneur et notre Dieu de recevoir. Seigneur, merci. Quel beau chant. Seigneur, merci. Reçois nos remerciements. Reçois nos remerciements, Seigneur Jésus. C'est toi qui as le dernier mot. Quand les hommes disent c'est fini, toi tu dis non. C'est le commencement, c'est le début. C'est le début d'une belle histoire. Tu es fidèle. Tu es digne. Seigneur, merci. Nous n'avons pas besoin de nous compromettre pour pouvoir avoir de quoi, Seigneur, faire avancer ton œuvre. Tu restes fidèle.
Père, merci. Merci, Seigneur. Tu es digne, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire. Jésus, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire. Père, tu es digne, notre Seigneur oh Père, et notre Dieu, Jésus, de recevoir la gloire. La louange. Pour l'éternité, oh Père, la louange, j'ai l'honneur. Seigneur, merci. Pour l'éternité, la louange, la louange, j'ai l'honneur. Pour l'éternité. Waouh! Alors, je ne sais pas si vous avez des choses à dire, en tout cas, on est dans la liberté. Alléluia. C'est beau, hein? Moba, tous les frères se sont mobilisés, Sarcelles, partout, Morangis, Niort, partout, Nantes, Paris, Marseille, partout, Lille, je ne sais pas, de partout, de partout, de partout. Hein? Et le Bourget, la Belgique, Bruxelles, l'Allemagne, la Hollande, le Luxembourg, tout ça là, vous êtes nombreux, la Suisse, l'Italie, de partout, l'Autriche, partout. On ne peut pas tout citer parce que c'est, vous êtes magnifiques, des vrais soldats du Seigneur. Vous voyez ? Et c'est encourageant de voir l'œuvre que le Seigneur accomplit, l'œuvre que le Seigneur fait. Il y a des frères et sœurs de Melun, de vous êtes là-bas, mon frère Pierre, de partout, cette mobilisation, tout ça là, de partout. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre en ligne. C'est glorieux. Bon, bah. Je suis dépassé. Dieu nous a dépassés. Non, c'est. C'est vrai que depuis 2004, je suis dans la vision. Je vois. Le micro. Comment le Seigneur. Mm-hmm. Depuis 2004, fidèle, tu es là. Ouais. Ça fait 13 ans. Ça fait 13 ans. Dans le coulisses, je vois comment le Seigneur est fidèle. Sans chercher à mettre l'équilibre. Même pas. Il est glorieux, notre Jésus. Non. Donc aujourd'hui, encore, en fait, je me dis, Seigneur, qu'est-ce qui peut me séparer de toi? Mm-hmm. Il est tellement fidèle. Financièrement, il nous étonne. Mm-hmm. Vous savez qu'à l'annonce, quand il va à 220, on s'est dit, bon, 220, ok, Seigneur, ta grâce. Mm-hmm. Mais en fait, au fur et à mesure qu'on recevait l'argent, on se disait, waouh, mais Seigneur. Et aujourd'hui, moins de 8 mois, on a la totalité. Je dis, Seigneur, tu es fidèle. Il est fidèle. Non, c'est la folie. En fait, les hommes ne peuvent pas comprendre. Mm-hmm. Pour les hommes, voilà pourquoi derrière, ils nous disent, voilà, on a les fédérations, on a les Américains derrière. Ils fuient. Forcément, Chora prend beaucoup d'argent là-dedans. C'est sûr et certain. C'est pas possible. C'est sûr qu'après ça, ils vont dire, quelqu'un leur a donné. Il y a une association quelque part aux États-Unis. Il y a des hommes politiques. Voilà. Hein, il fait derrière. De la politique, il prend des photos avec des présidents, lui, voilà. Il dénonce les autres. Arrêtez, nous dénonçons le fait de marcher sur les tapis rouges avec des présidents à côté. Il faut arrêter la jalousie. Parce qu'ils n'ont rien à dire. Parce qu'ils n'ont pas l'onction. Même pas. Dieu ne les connaît pas. Surtout pas. C'est le mont Carmel. C'est pas de l'orgueil. Parce que non. Quand on parle comme ça, beaucoup de chrétiens disent non, ils sont orgueilleux. Ils se prennent. Mais non. On doit se reconnaître. Dieu fait ce qu'il veut avec Amen. Qui il veut. Mmh. Il t'a pas appelé, il t'a pas appelé. Non. Non. On va se saigner pour rien. On va prendre des salles pour payer. C'est compliqué. Après, on a des dettes. On commence à reprendre la dîme. On commence à avoir des problèmes pour payer. Et puis, on dit non, on a été envoûté. Maudit. Il faut arrêter, les amis. Il faut arrêter. Reconnaissons que Dieu travaille. Amen. C'est simple. Donc, depuis 2004, tu ne vois que Dieu. Tu là, vois que l'œuvre. C'est depuis. Hein? Malgré le départ, mais
le Seigneur. Mais c'est magnifique quand il y a des départs parce que Dieu est monde. Tout à fait. Hein, parce que vous savez, il y a des gens qui sont comme des lots. Ils sont là, ils vous obligent de rester dans la galère, dans la niaiserie. Hein, tout ça, là, ils veulent vous alourdir. Voilà. Mais Dieu nous allège. Amen, mais quand amen. Dieu nous allège, nous sommes blessés parce qu'on se dit, non, Seigneur, on ne veut pas. Seigneur, parce qu'on est dans les sentiments. Et moi, je rends grâce au Seigneur. Amen, amen. Parce que je vous assure, après tant de séparations, depuis que j'ai commencé le vent à Paris, depuis 99, je ne vis que ça. Séparation sur séparation. Et en même temps, c'est comme ça, le Seigneur ne fait que faire grandir son travail. Et ça, c'est magnifique. Amen. Quand on voit ce que Dieu fait, on est en Côte d'Ivoire, 200 baptêmes, plus de 200 baptêmes, des frères et sœurs touchés dans le monde. Mais on se dit, parfois on se demande, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Hier, il y a eu une émission avec un couple d'Indiens. L'Inde maintenant, vous savez qu'on va partir en Inde bientôt. Wow. Vous savez qu'on commence un orphelinat bientôt en Inde, pour votre information. En Inde. Mamie. En Inde. Donc... Ils ont pêché, le frère a prêché hier, il a prêché en tamoul. Sa femme traduisait. Je vous dis. Il se passe des choses. Moi, je suis là, Seigneur, mais ça, moi, je veux voir ces, il faut le Mont Carmel. Le Mont Carmel, c'est bon, hein. Tu sais, Dieu dit tous, tu sais, même ceux qui n'ont pas l'onction, là, ils sont excités quand même d'aller sur YouTube. Ils sont obligés d'aller montrer leur visage. Tu sais, Dieu les pousse. Allez-y. Qu'on voit que vous êtes secs. Amen. C'est Dieu qui les pousse. Parce que quand t'as pas l'onction, il faut te cacher. Voilà. Donc, Dieu les pousse. Allez-y, allez-y, allez-y. Dieu dit, je dresse une table devant toi. Wow. Somme 23. Je dresse une table devant toi, en face de tes adversaires. Et il dit, je oins d'huile ta tête. Et ta coupe va déborder. Là, la coupe a débordé, non? Amen, amen. David, vrai ou faux? On a dépassé 223 000. Vrai ou faux? Hein, de près de 2000 euros. Là, on va encore aider les frères et sœurs, aider la mission, tout. Vous voyez, c'est ça déborde. Ça déborde. C'est ça, le Seigneur. T'as pas. Hein? On veut à tout prix. Il y en a un à Nantes, là-bas. Il voulait mettre aussi une école de formation. Aujourd'hui, là, il a des loyers en arrière. Des arriérés. Et une télé. Et après, on déménage, on va sur une île. Parce que ça n'a pas marché. Vous allez déménager. Ce n'est que le commencement. Je vous dis. Dieu appelle qu'il veut. Amen. Frère Pierre. Moi, je ne force pas. Non. Est-ce que moi, je vais à Sarcelles, là où vous êtes, là-bas? Même pas. Est-ce que moi, je vais en plein continent là-bas? Chacun fait son travail. Mais tout le monde veut faire comme Chora. Hein? Mais c'est grave. Dieu m'a dit, fais l'œuvre et tu verras ma gloire se manifester. Et ce que je vois, là, mon frère Serge. Hein? Je suis choqué. Je suis choqué chaque jour. On m'avait fait croire que sans partenaire, sans dîme, sans fédération, on peut pas faire l'œuvre. Sans association avec d'autres bishops. D'autres bishops, sans connaître des hommes d'affaires riches, tout ça, on peut pas faire l'œuvre. Et là, je vois que sans partenaire, on connaît pas qui a donné quoi. Les gens débarquent et là, ils viennent, ils déposent. On ouvre la boîte de lettres, il y a des enveloppes qui arrivent. Il y a on se dit, Seigneur, PayPal, partout, ça pleut. C'est une pluie des choses. Voilà. Une pluie des choses. Voilà. Donc, même le pain quotidien a débordé. Donc, du coup, même au niveau des TV de vie, on fait aussi du social. Tu vois. Ça, c'est Jésus. On a appris que vous avez commencé en Côte d'Ivoire une œuvre sans nous. Bah oui. Attends. Il n'y a pas de pyramide ici, là. Vous voyez? Une œuvre sociale a commencé en Côte d'Ivoire sans le pain quotidien. Le Seigneur fait ce qu'il veut. Amen. C'est le débordement. Il dit, ta coupe va déborder. Ça, je vais vous dire une chose. Dieu, dans la Bible, dit qu'il est le Dieu de combat, le Dieu de guerre, Yahweh des armées. C'est, il aime la guerre. Amen. Quand les gens disent, non, vous êtes méchants, vous parlez trop. Mais Dieu aime la guerre. Dieu dit, je dresse une table lui-même. Il dit, devant toi et en face de tes adversaires, il dit, je oint d'huile sur ta tête. Il faut que tes adversaires voient comment ta tête est ointe. Et ta coupe va déborder. Quand ça déborde, là, les adversaires, là, ils vont voir les pieds comme ça, l'huile qui arrive au niveau des pieds, ils vont faire ça. Frère, Dieu poursuit nos adversaires. Oh! Jesus Christ. Moi, j'aime le Seigneur. Je vous dis, j'ai une grande bouche que Dieu m'a donnée pour crier. C'est ça. Et je crie parce que j'ai mon grand frère derrière, devant, à côté, à gauche, à droite, au-dessus, partout. Jésus de Nazareth. Lui seul est digne de gloire.
Lui, à lui seul reviennent la louange, la gloire, l'honneur, les actions de grâce, les remerciements, parce qu'il a su toucher vos cœurs, parce qu'il n'a pas changé. Jésus, notre maître, notre Seigneur. Alléluia. Holy God. Holy God. Wow. Vaut mieux avoir affaire aux hommes, mais quand tu as affaire à Dieu, quand tu combats l'œuvre de Dieu, Gamaliel avait dit quoi, Gamaliel? Il a dit aux gens qui attaquaient Paul, il dit, il faut laisser tomber, laisser ces gens-là, qui attaquaient, pardon, les apôtres. Il dit, laissez-les. Hein? Ils attaquaient Pierre, tout ça. Il dit, si cette œuvre vient de Dieu, si elle vient des hommes, elle va se détruire. Mais si elle vient de Dieu, vous courez le risque de combattre Dieu. Voilà pourquoi vous commencez à déménager comme ça. Vous commencez à déménager en laissant des dettes derrière. Dieu n'est pas le Dieu de dettes. Quel est le témoignage vis-à-vis des païens qui vous louent ces locaux-là? Non, il faut se repentir. Faut repentez-vous. Dieu est fidèle. Des frères et sœurs de la Martinique se sont mobilisés, la Guadeloupe se sont mobilisés, des frères et sœurs du monde entier. On dit non, ce message vient du Seigneur, on va se mobiliser parce que ce n'est pas une affaire de Chora ou de qui que ce soit, ou David, ou Moba, ou Serge, ou je ne sais pas qui là. Tout ça là, c'est Yehoshua, notre maître. Allô, nous avons quelqu'un en ligne, depuis la Guadeloupe. Allô? Oui, bonjour. Bonsoir. C'est l'après-midi. En fait, j'appelle, donc je suis la sœur Gina, j'appelle de la Guadeloupe. Ok. Voilà, donc en fait, c'était pour vous encourager vraiment, parce que pour cette œuvre, pour laquelle j'ai beaucoup prié également, je n'ai pas eu le temps de donner parce que j'attendais que vous soyez en Guadeloupe, mais ce sera pour autre chose. Et je bénis Dieu vraiment, vraiment pour ce qu'il fait. Quand on voit autour de nous, dans nos églises, on nous réclame la dîme pour construire des bâtiments. Et Dieu est fidèle dans les petites choses, mais il est fidèle dans les grandes aussi, parce que c'est une œuvre qui est grande. Hein. Mais vraiment, je vous encourage, mes frères, parce que j'écoute beaucoup TV de vie, ça m'édifie beaucoup. Et puis, je vous souhaite encore, merci aux sœurs et frères qui ont donné. Hein, et je vois que l'œuvre, c'est un petit peu, il est mondial, hein, on va dire qu'il est mondial. Effectivement, j'écoutais hier le frère qui a prêché en tamoul, c'est vraiment super, vraiment très fort. Mais vraiment, soyez tous bénis, fortifiés. Le chien boit, la caravane passe. Amen. L'œuvre de Dieu continue. Parce que c'est Dieu qui l'entretient. C'est Dieu qui nourrit l'œuvre, qui nourrit ses enfants. Et il ne nous décevra jamais. Amen. Continuons dans cette œuvre. Amen. Voilà, soyez bénis. Et puis, j'espère que vous serez là. Parce que, bon, vu le temps qu'il fait, on ne sait pas comment si on aura le cyclone ou pas. Bon, je sais que vous devriez être là jeudi, donc... Jeudi, on sera là, le cyclone va passer, et Dieu... La volonté de Dieu soit faite. Il va garder la Guadeloupe. Voilà, ben merci, et bonne soirée. Voilà. Merci ma sœur, on se revoit, on se voit ce jeudi en Guadeloupe. Mais on sera là, et puis on vous attend vraiment. Que Dieu nous garde, en tout cas, que sa volonté. Voilà. Que Dieu soit béni, alléluia. On vient, en tout cas, grâce au Seigneur, on va partager la parole ensemble. Gloire à Dieu, donc, parce que c'est jeudi, ce vendredi et ce dimanche, il y a 4 soirées de réveil au moins en Guadeloupe. Hein, donc, à la salle de fête de Lamantin. Et donc, les infos sont sur le site de TV de Vie. Donc, voilà, que le Seigneur soit béni. Donc, voilà, donc, je suis excité. Voilà, comme d'habitude, voilà, donc, personnellement, je peux parler parce que mon Dieu est vivant. Amen, amen. Voilà. Il y a un frère qui a fait 4 heures de route, un jeune homme, 4 heures de route pour venir jusqu'ici ce soir, pour déposer son enveloppe, pour participer à l'œuvre. Vous voyez, je veux dire, c'est le Seigneur fait ce qu'il veut. Ceux qui sont les adversaires là, qui combattent l'œuvre du Seigneur, mais en fait qui combattent Dieu, et qui sont éteints, eh ben, ils vont maintenant de maison en maison dans les coulisses, pour aller vouloir enseigner les gens les coulisses. Ils vont à Poitiers, on apprend, hein, à Poitiers, ils vont à gauche, à droite, partout, là, ils essayent de récupérer les âmes, là, tout ça, des gens qu'ils ont eux-mêmes dénoncé hier. La confusion, la honte, ça commande, ça court à gauche, à droite. Oh Seigneur, sauve-nous. T'as pas. Si t'es pas un footballeur comme Zidane qui joue, mais si t'es pas un attaquant, là. Hein, si t'es un remplaçant, reste remplaçant. Voilà. Voilà. S'il plaît à Dieu de te faire jouer, il va te faire jouer.
Voilà. Le problème, c'est ça. C'est que tout, y a un défenseur qui veut être un attaquant. Hein? Et ça ferme leur bâtiment parce qu'ils n'ont plus l'argent pour payer. Et on dit non, c'est Choura qui a cassé les églises. Voilà. Oh, arrêtez. Arrêtez. Hein? Vos anciens ça, vous disent non, on ne peut plus payer. Il faut arrêter, il faut fermer. Il faut fermer. Il faut fermer. Il n'y a pas Dieu. Il faut l'humilité pour se repentir. Mais il veut le résister. Seigneur, sauve-nous. Sauve-nous. Les chrétiens ont vu clair. Ils ont vu clair. Les pasteurs qui sont pour la dîme, qui nous décrit tout ça, les mystères des canapés, tout ça là. Frère, on demande, oh, que Dieu soit béni, tout ça. Le Seigneur est fidèle. Et ça, c'est que le début. Hein. Je vous dis, ce n'est que le début. Je vous dis, là, au nom de Yeshua, on va avoir une réunion de réveil dans le stade de France. Vous allez voir. Amen, amen, amen. Ça va prendre de l'ampleur encore davantage. Et les gens vont déménager, comme je vous dis, il y en a un qui est parti à Martinique là-bas. Là. À Martinique, on y arrive aussi parce que le 13, hein, on sera à Martinique là-bas. Là. Il faut aller sur Mars. Même sur Mars, Jésus va fouler ses pieds là-bas aussi. Là. C'est lui qui a créé l'univers. C'est ça le problème. Il vaut mieux se dire, Seigneur, non, je préfère ne pas combattre hein, ces hommes et ces femmes. Si c'est ton œuvre, hein, que ton nom soit béni. Si ce n'est pas de toi, toi-même, tu vas gérer ça. Que de se lever comme ça et de dire on va éteindre ce travail, mais ce feu, mais vous allez avoir des problèmes. Dieu, on ne se moque pas de lui. Et ça fait trembler, ça fait peur. Parce que Dieu est fidèle, Dieu est juste. Et Dieu, mes amis, défend son œuvre, prend soin de son peuple. Nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous mes frères qui sont sur le plateau. Je vous appelle, je suis la sœur Anne-Marie, je vous appelle, j'ai l'impression que je suis avec vous sur le plateau, tellement que je suis dans la joie. Pour moi, je dis merci à Jésus, merci pour moi pour ses hauts faits, pour ses bienfaits, pour tout ce qu'il a fait. Franchement, je ne sais pas, je n'ai pas les mots. Là, je dis, mais vraiment, Seigneur, je dis là où les hommes se sont limités, c'est là où Jésus a bouleversé les dires des hommes. Et merci, Seigneur, qui pouvait faire ça? Non, merci, Jésus. À moins de 8 mois. À moins de 8 mois. Oui. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. S'il n'y a pas Dieu, alors qui peut faire ça? Non, je tiens vraiment à lui dire merci. Bravo, Jésus. Et merci beaucoup. Merci pour tout ce qu'il fait. Merci pour moi, pour ses hauts faits, pour tout. Je me réjouis ensemble avec vous tellement que je suis dans la joie pour tout ce que le Seigneur a fait. Merci, Jésus. Que Dieu soit béni, ma soeur. Merci. Voilà, c'est beau. Et bon courage. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, quelqu'un a quelque chose à dire ici un peu, là, c'est... En tout cas, j'ai béni le Seigneur. Pourquoi? Parce que quand je vois ce qu'il a fait, quand j'ai eu la nouvelle cet après-midi que l'argent était déjà assez bon, j'ai dit, mais Dieu est fidèle à sa parole. Et j'ai dit à mon épouse, mais c'est bon. Donc l'achat est bon. Et j'ai dit, mais tous ces hommes qui étaient tout autour de ces petits jeunes hommes, que les gens disent, ces petits-là, ils viennent d'où? Ils sortent d'où? Ton petit frère, même oui, temps, parce que c'est mon grand frère. Plus. Il sort d'où? Alors, ça peut que c'est Dieu qui l'a appelé. J'ai béni le Seigneur, en tout cas, de ce qu'il a fait. Parce que, je dis, 400 et quelques mille euros. Si c'était pas un homme que Dieu a appelé, il a dit, mon vieux, tiens, 150 000. J'allais faire des affaires en Afrique. Mais c'est Dieu qui lui a appelé. Il n'a pas utilisé cet argent pour me donner. Là, c'est mon grand frère propre. C'est vrai, je vous dis la vérité. Même père, même mère. J'ai dit à mon épouse, j'ai dit, mais si c'est pas Dieu qui lui a appelé, cet argent-là, vous pouvez distribuer à ses frères. Voilà, il y a ça. Mais c'est Dieu qui l'a appelé et c'est Dieu qui a permis qu'on puisse avoir cet argent. Je bénis Dieu. Je dis, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Mais il est fidèle à sa parole. Je rends gloire à Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort à la croix et qui est ressuscité. Aujourd'hui, il a appelé mon frère pour annoncer l'évangile, pour libérer les âmes. Que Dieu soit béni en tout cas. Ce n'est pas l'affaire d'un homme, mais c'est Dieu qui a établi, c'est Dieu qui appelle qui veut et il donne à qui il veut et quand il veut. Cet achat-là, donc, ça nous a dépassé. Dimanche dernier, on me disait qu'il manquait, il y avait 15 000 encore qui manquaient, 15 000, qu'on a parlé passé Serge. Avant-hier, on me dit 2 000 euros. Hier soir, 800 euros. Cet après-midi, c'est réglé. J'ai dit, que Dieu soit béni. Et ça dépasse en plus. Non, Dieu est fidèle. Quel que soit ce que tu fais, hein, Clins, hein. Wow.
tu fais en ce temps de grâce, ne le fais pas sans moi. Ne le fais pas sans moi. Oh Père, Père, quel que soit ce que tu fais en ce temps de grâce, ne le fais pas sans moi. Oui, ne le fais pas. Oh Père, Père, quel que soit ce que tu fais en ce temps, de grâce ne le fais pas sans moi. Jésus, ne le fais pas sans moi. Oh Père, Père, quel que soit ce que tu fais en ce temps. Ne le fais pas sans moi. Ne le fais pas sans moi. Oh oui, Père, Père, quel que soit ce que tu fais en ce temps, de grâce, ne le fais pas sans moi. Ne le fais pas sans moi. Oh Père, Père, quel que soit ce que tu fais en ce temps, de grâce, ne le fais pas sans moi. Ne le fais pas sans moi. Quel que soit ce que Dieu veut faire, ah, j'aimerais bien y participer. Oh Seigneur, merci. Merci encore aux frères et sœurs de l'Assemblée de Créteil, des frères et sœurs de plusieurs assemblées à Torcy, de plusieurs endroits qui sont mobilisés. Comme je disais, vous êtes tellement nombreux, des frères et sœurs de Liège, de plusieurs endroits, de vous êtes partout, 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 partout. Aujourd'hui, c'est combien de pays, David, qui suivent tes villes, hein? Plus de 220. Plus de 220 pays. Mmh. On a les statistiques là, c'est impressionnant. Plus de 220 pays. Des frères et sœurs de la RDC, du Congo-Brazza, du Gabon, de partout. Partout, Centrafrique, tout ça, Cameroun, et Tchad, et le Bénin, Togo, et le Burkina Faso, de plus en plus, Maroc, et vous êtes nombreux, effectivement, vous êtes nombreux. Londres, l'Angleterre, n'en parlons pas, l'Irlande, et vous êtes là, vous savez, c'est des noms comme ça qui me viennent, tout ça là, l'Australie, tout ça là, la Chine, le Japon, de plusieurs endroits, il y a eu des dons de plusieurs pays, et c'est impressionnant, impressionnant. La Guyane, tout ça là, impressionnant. Voilà, c'est beau. On a quelqu'un en ligne. Bon, allô, bonsoir. Bonsoir, c'est la sœur de Valence. J'appelle pour vous exhorter, pour chanter un chant. Déjà, pour vous remercier le Seigneur de la grâce, de la fidélité qu'il nous donne à chaque instant. Les gens, ils ont parlé. Les gens, ils sont contre la vérité du Seigneur. Sont contre la parole. Hier même, je priais, j'ai dit, mais Seigneur, regarde ces personnes qui sont dans la rue, qui meurent de faim, qui sont affligées, qui souffrent. Et je dis, regarde ces pasteurs qui font rien pour aider ces personnes-là à remonter, même à les parler de la vraie vérité, de l'évangile de Jésus-Christ. Et qui sont là à prendre de l'argent des pauvres et à faire n'importe quoi de l'œuvre du Seigneur. Là, je viens de... quand j'ai appris que vous devez acheter le locaux du 26, j'ai dit, mais Seigneur, de toute façon, ça va être réglé en deux-deux. Hein. Ça va régler en deux-deux. Et hier encore, j'ai dit, de toute façon, ça va être réglé. Et là, je viens d'apprendre, mais franchement, j'ai sauté dans mon appartement. Là, je sautais de joie. J'ai dit, oh, mais Seigneur, c'est trop fort. Je rends gloire à Dieu. Il est fidèle. Il est fidèle toujours. Quand on prie, on donne toute notre force, toute notre vie à Dieu. Franchement, j'ai dit, mais Seigneur, tu es vraiment vivant. Et je remercie pour tous ces frères et sœurs qui sont là aujourd'hui, qui se sacrifient pour l'œuvre de Dieu, tous ces locaux que vous louez. Et je dis, mais attends, 2013, pardon, jusqu'en 2017,
tête, dites, mais l'œuvre de Dieu qui avance et les gens qui parlent contre l'œuvre de Dieu, je dis, mais c'est n'importe quoi. On voit qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. Et je dis, mais Seigneur, merci pour ta gloire. Merci pour ta vie, Seigneur. Merci de nous avoir touchés aujourd'hui. Parce que c'est une grâce aujourd'hui qu'on est touché. C'est une grâce aujourd'hui de voir qu'on vit la vie de Dieu. Par la parole, bien sûr. Et c'est pour ça que je vais chanter un chant. C'est un chant nouveau. Alors, Jésus-Christ, mon sauveur, garde-moi fidèle à toi devant la séduction. Garde-moi fidèle à toi devant les difficultés. Garde-moi fidèle à toi devant la corruption. Garde-moi fidèle à toi, garde-moi fidèle à toi, garde-moi fidèle à toi, garde-moi fidèle à toi, garde-moi fidèle à toi. Voilà. Le Seigneur Jésus soit glorifié. Il est beau ce chant-là, que le Seigneur soit béni. En tout cas, si tu peux nous l'envoyer là, on va pouvoir le faire passer, le diffuser, partager à la télé, à la radio. Merci ma sœur en tout cas, que Dieu soit béni. Amen, amen. Voilà, effectivement, on voit cette croissance sur tout le plan, au niveau de l'œuvre que le Seigneur fait. Moi, je suis dépassé. On est dépassé. TV de vie, grâce au Seigneur, grâce à vos dons, à vos prières. TV de vie, chaque mois, soutient des missionnaires aussi. Il y a au Togo, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, chaque mois, on envoie quelque chose pour aider des missionnaires là-bas. Et sans chercher à contrôler qui que ce soit, si nous voulons vraiment, dans cette vision-là, aider les frères et sœurs, les enfants de Dieu, et dans ce que le Seigneur leur a confié. Voilà, on n'a pas d'ambition personnelle, financière ou de domination, tout ça là. On veut simplement encourager les frères et sœurs, mais nous ne voulons pas marcher avec les gens qui n'ont pas à cœur les âmes. Nous voulons simplement avancer. Simplement avec des frères et sœurs simples, qui aiment le Seigneur, quelles que soient leurs origines. Et nous disons que nous ne sommes pas les seuls enfants de Dieu chrétiens. Il y en a plusieurs autres que nous ne connaissons pas forcément. Et voilà, donc vraiment que le Seigneur soit béni. Allô, on a quelqu'un d'autre en ligne. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir mes frères. Bonsoir. Ouais, voilà, c'est vraiment un encouragement pour nous aussi, parce que en même temps que vous vous êtes encouragés, nous aussi, on est vraiment remplis de joie, on est dans l'allégresse, vraiment. Vraiment, béni soit le Seigneur. C'est trop beau, même sur le plateau, quand il y a des chants, il y a l'onction. Peut-être vous ne vous rendez pas compte, vous, mais nous, franchement, on s'en rend compte et il y a une onction particulière. C'est Amen. La même onction qu'il y a sur l'œuvre. Amen. Et merci Seigneur vraiment pour cette œuvre qui nous a sauvés. Hein. Il faut se rendre compte de ça, mon frère Chora. Hein. Ça nous bénit. Hein. T'as raison quand tu dis si tu arrêtes, on va être découragé. Oui. Si tu arrêtes, non, mais tu vas pas arrêter. Non, de toute façon le Seigneur il va me reprendre. Hein. C'est Je veux terminer la mission grâce à vos prières justement, grâce à vous tous que nous tenons, grâce au Seigneur bien sûr qui se sert de vous. Grâce au Seigneur, tout ça on le tire du Seigneur, oui. Mmh. Mais voilà, et tous ces enseignements on les avait pas, et aujourd'hui on vit, et aujourd'hui oh là là, mais c'est trop beau, il n'y a pas de mots. Donc et tout à l'heure tu parlais de l'huile qui tombe sur la tête et qui déborde. Et moi, j'avais la pensée, je disais, il faut que je dise à mon frère Chora, si je peux me permettre, mais il ne faut pas qu'on arrête de la même façon qu'on prie tous les jours, de la même façon qu'on adore le Seigneur tous les jours, et bien de la même façon qu'on soutient des œuvres comme ça. Là, aujourd'hui, ça a été, c'est les locaux. Demain, il y a l'école. Hein. Je pense que c'est une école que tu avais dit quand tu es parti récemment. Là. Qu'on n'arrête pas et que l'huile ne s'arrête jamais, comme cette femme qui était qui a rempli les pots d'huile. Et qu'elle s'arrête jamais, cette huile, jusqu'au retour du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu.
Gloire que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Et que chacun, on est une famille. Pour... Aussi, j'avais à cœur de dire, on est une famille. Dans ceux qui suivent TV de vie, on est une famille et on prie les uns pour les autres. Il ne faut pas oublier ça. Amen. Amen. On prie les uns pour les autres et celui qui est découragé, qu'il sache que les uns prient pour les autres et c'est un soutien devant, devant notre adversaire. Amen. Soutien. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur vous bénisse. Amen. Merci ma soeur, bon courage. Oui. Au revoir. C'est beau, hein? Tous ces encouragements là. C'est vraiment, quand la soeur dit que l'œuvre a sauvé les frères et soeurs, on comprend, la sauver c'est délivrer. Et que... Donc oui, le Seigneur se sert des frères et soeurs pour nous sauver, pour nous délivrer. Et, hein, sauver, c'est délivrer, c'est éclairer. Et bien, que le Seigneur soit béni. Et... Non, Dieu nous encourage. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Ça, c'est juste un aspect. Hein, le fait que le Seigneur ait donné cet argent pour l'achat de ce locaux. Mais quand on voit toutes ces conversions, en Côte d'Ivoire, ces sorciers qui se sont convertis, et ces baptêmes, ces enfants qui confessaient la sorcellerie, ces couples qui étaient restaurés. Quand on voit toutes ces guérisons que le Seigneur opère, alors qu'il y en a qui disaient qu'il n'y a plus de guérison, plus de miracles, mes amis, quand on voit toutes ces preuves médicales des personnes qui avaient le VIH que le Seigneur a guéri, des personnes qui avaient des cancers que le Seigneur a guéri, je veux dire, écoutez, si vous n'avez pas l'onction de guérison, ne pensez pas que Dieu n'agit plus. Hein. Donc si vous avez imposé les mains à quelqu'un ou si on a prié pour quelqu'un que le Seigneur n'a pas guéri, c'est Dieu qui guérit. Hein. Moi, je peux m'imposer les mains, s'il n'y a pas la guérison, c'est pas moi qui guéris. Ce n'est pas pour autant qu'on va maintenant dire qu'il n'y a plus de guérison. Donc le Seigneur travaille. Vous voyez, Dieu, c'est pas la théologie, hein. Dieu, c'est pas la religion. Dieu, c'est la rencontre que l'on fait avec lui. C'est la rencontre que Dieu fait avec les hommes. Et il accompagne les hommes et les femmes qu'il a mandatés, qu'il a appelés. Voilà. C'est ça le Seigneur. Et quand on voit toutes ces œuvres que le Seigneur a accomplies, ben, on est dans la joie, on est encouragé, on ne force pas. On n'a pas fait forcément un jeûne de 40 jours pour que le Seigneur puisse toucher les cœurs des frères et sœurs. Moi, je sais pas. Donc, c'est Dieu lui-même qui a dit, bon, c'est mon œuvre et je m'en occupe. Voilà. Et personne ne t'en contrôle de quoi que ce soit. Moi, je ne contrôle plus rien, là. Je veux dire, c'est comme dans Ézéchiel 47, hein, à un moment donné on marchait, et puis arrivé à la fin, là, on peut plus marcher parce qu'on n'a plus pied. Et là, ben, c'est la nage, hein, et on se laisse entraîner par le courant, on suit le courant. Hein, je veux dire plutôt, on se laisse entraîner. Et c'est ça le Seigneur, on a quelqu'un d'autre en ligne, donc il nous reste 5 minutes encore. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir, pour moi, je voulais bien vous intervenir sur l'œuvre qui se passe en France. Je vous bénis Dieu. Parce qu'il est Dieu, c'est ce qu'il veut. Et les gens peuvent parler, les gens peuvent dire quoi que ce soit, mais je sais bien seulement notre papa agit. Amen. Il n'est pas mort. Il est le Dieu du vivant. Quand son enfant accroupit ses genoux, il exauce. Mm-hmm. Voilà, voilà, voilà. Je voulais seulement vous dire, tu es bon, mon Dieu. Gloire à Dieu. Comme dans... Amen. Un frère de la Belgique. Que le Seigneur soit béni. En tout cas, bon courage. Comme dans Jean 9, hein, cet homme qui était né aveugle, le Seigneur a guéri. Les pharisiens, les jaloux, les religieux. Oh, vous savez, il faut bénir le Seigneur, hein, bénir Dieu parce que cet homme est un pécheur. Hein. Ouais, nous reconnaissons la guérison parce que quand même, voilà, on peut pas ne pas la constater, hein, cette guérison. Mais Dieu l'a quand même utilisé malgré le fait qu'il est pécheur. Mais béni Dieu, vous voyez. Et l'homme dit, mais je sais pas s'il était pécheur, s'il est pécheur ou pas. Je sais une chose, que j'étais aveugle. Maintenant, je vois. Vous avez prié pour moi certainement hier. Il n'y a pas eu de guérison. Vous enseignez à gauche, à droite, il n'y a rien. Mais lui, a prié pour moi, Dieu a agi. Et ça, la différence. Dieu fait la différence. Vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas, nous dit Malachie. C'est pas moi qui le dis. Voilà. Donc, chrétien, jugé par rapport aux fruits. Voilà. Donc, maintenant, que Dieu soit. Et ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Oui, il y a des hommes qui sont touchés. Oui, il y a des généraux, des colonels, tout ça là. Mais mes amis, ce ne sont pas des généraux, des colonels qui amènent l'argent. C'est parfois des gens simples, que des gens qui sont méconnus, qui sont négligés. Ce sont eux que Dieu utilise pour soutenir son œuvre. Voilà. Que le Seigneur soit béni, mais tout le monde, que le Seigneur soit béni pour tous les frères et sœurs du monde entier, des frères et sœurs qui sont encouragés, qui sont touchés. Nous voulons rendre des actions de grâce au Seigneur. Voilà. Donc, on laisse maintenant Clince et la sœur. Hein, avec deux ou trois chants, et puis voilà, donc nous vous donnons rendez-vous bientôt sur TV de vie, hein. Donc le 29, c'est la signature, David. Là, on va montrer les images aussi aux frères et sœurs. Ouais. Il y avait un passage que j'avais, c'est quand tu disais, quand tu affirmais, que tu disais, on est sur le Mont Carmel, c'est pas de l'orgueil. En fait, il y avait le proverbe 19 qui dit, celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Amen. En fait, c'est de l'assurance, c'est tout. Parce qu'il y a de l'intégrité. Bah, l'intégrité est liée à l'assurance, donc du coup,
tu peux te permettre Amen. De dire ça. C'est la parole, c'est tout. Hein. Amen. Amen. J'avais aussi un passage dans Psaume 60, verset 14. Il dit, avec notre Dieu, nous ferons des exploits. Mm-hmm. Et il continue, il dit qu'il foulera nos ennemis. C'est fort, hein. Il va fouler nos ennemis. Oh là là, voilà, vaut mieux s'asseoir à côté du Seigneur que d'être foulé par lui. Hein. Parce que là, la barre est placée très très haut. Hein, donc là, imiter ce que Dieu fait, alors là, il faut, je ne sais pas qui peut l'imiter. Hein. En tout cas, que Dieu soit béni. Donc, les gens n'arrêtent pas d'appeler. Hein. Quelqu'un d'autre en ligne. Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour, Chora, c'est Alain du Havre à l'appareil. Alain, mon frère. Écoute, Dorothée, moi-même, on veut participer à votre joie. Et c'est vrai que quand je me rappelle, en 2013, on a commencé le Didasco. On était 40, 50, 60. Et puis maintenant, quand je vois le nombre de personnes, c'est vrai que ça ne peut être que Dieu. Et c'est vrai que samedi, quand nous sommes partis pour aller à la réunion de réveil, effectivement, il manquait encore 5 000 euros. Et puis là, on est lundi, et puis tout est complet. Si c'est pas l'œuvre de Dieu, faut me dire d'où ça vient. Effectivement, c'est une grâce. Et vraiment, moi, je veux vous encourager tous parce que c'est une œuvre merveilleuse. Mais il faut aussi des hommes et des femmes qui soient réellement consacrés. Et je pense aussi en même temps au pain quotidien où nous avons eu l'occasion de nous rendre au mois de mai et avec Pierre et j'ai vu et tous les autres sœurs et frères et c'était super le travail qu'ils font et je veux vraiment vous encourager et je dis vraiment un grand merci à notre Dieu, c'est vrai qu'il est grand, qu'il est puissant et que toutes celles et tous ceux qui sont contre cette œuvre, ils devraient bien réfléchir parce que lorsque c'est une œuvre de Dieu, on ne peut rien faire. Et je bénis vraiment le Seigneur et je vous bénis et vraiment soyez encouragés, continuez. On prie pour vous et on espère que voir encore beaucoup, beaucoup de choses dans la vie des uns et des autres. Et quand on voit ces jeunes enfants, comme la petite jeune fille de 9 ans qui a prêché, on voit ces jeunes filles et ces jeunes hommes qui confessent leurs péchés. Attends, non, c'est pas du vaudou, ça. Celui qui m'a dit ça, il devrait réfléchir qu'il est en train de blasphémer contre le Saint-Esprit. Et s'il écoute cette vidéo, eh bien, qu'il réfléchisse bien, parce que là, il est réellement en danger. C'est un blasphème contre l'Esprit. En tout cas, soyez encouragés, et je bénis le Seigneur, et vraiment, je le remercie au nom de Jésus. Amen. Merci, Alain, que Dieu soit béni. Oui. Voilà. Donc, du vaudou. Le vaudou, les gens, ils disent vaudou, ils savent même pas ce que c'est le vaudou. Le vaudou, c'est le diable, ça tue. Hein? Le vaudou ne produit jamais la repentance. Le vaudou ne pousse jamais un sorcier à dire je suis sorcier. Voilà. Donc, ça s'appelle l'onction. Voilà. Donc, du Saint-Esprit. Voilà. Qui convainc du péché et qui change des cœurs. L'onction qui enseigne. Donc, et quand on l'a pas, eh ben, on l'a pas. On n'y peut rien. Moi, je ne peux rien. Je peux t'imposer les mains tous les jours. Mais c'est Dieu qui donne l'onction. Donc, et il donne l'onction aux personnes qu'il connaît, qu'il a appelé depuis l'éternité passée. Voilà. Et cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, hein, mais de Dieu qui établit. Nous dit Romains chapitre 9, verset 16. Ça, c'est un passage que j'aime beaucoup. Voilà. Que Dieu soit béni. À lui, toute la gloire. Oh, Seigneur. Nous nous inclinons devant ta majesté. Nous reconnaissons que c'est toi qui es notre Dieu, Jésus. Nous voulons te confier encore cette œuvre. Souviens-toi de chaque frère et sœur, de chaque enfant de Dieu. Seigneur, tes enfants, ceux qui prient pour ce travail, ceux qui soutiennent et ceux qui n'ont pas pu soutenir, Seigneur, mon Dieu, parce qu'ils n'en ont pas, mais qui ont soutenu avec le cœur, c'est le plus grand soutien. Souviens-toi d'eux. Et je bénis aussi la France, les autorités françaises, qui nous permettent, Seigneur mon Dieu, de travailler simplement, librement. Souviens-toi du président, des ministres, souviens-toi des généraux, des colonels, des préfets, souviens-toi des gendarmes, des policiers, de tous ceux qui travaillent dans le service secret. Seigneur, souviens-toi de chacun. La France est un pays qui nous a adoptés et nous voulons la bénir, cette nation. Père, au nom de Yeshua, béni sois-tu Adonai, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Seigneur, nous voulons, grâce à toi, faire la différence. Nous voulons avancer avec tes enfants, ceux qui t'aiment. Et nous voulons nous séparer d'avec le péché, avec la chair, d'avec nos propres défauts, grâce à ton esprit.
et nous voulons nous séparer d'avec la mauvaise compagnie parce que nous ne voulons pas te décevoir. Ceux avec lesquels, Seigneur, nous sommes séparés ne sont pas nos ennemis, car nous n'avons qu'un seul ennemi, c'est le diable. Mais nous voulons t'obéir à toi pour pouvoir avancer et aller plus loin. Et ceux qui se repentent, nous voulons, Seigneur, leur dire, avancez, car le ciel nous attend. Car quelqu'un peut se tromper et dire des choses et se repentir par la suite. Et nous ne voulons pas, Seigneur, que personne, nous ne voulons pas que les gens soient condamnés. Seigneur, nous implorons ta grâce sur les uns les autres, car nous ne sommes pas mieux. Tu n'agis pas ainsi parce que nous sommes meilleurs. Tu agis ainsi parce que c'est la grâce. C'est pour cela que nous te prions que tu bénisses nos ennemis, comme ta parole nous le recommande. Nous prions pour ceux qui nous persécutent, car nous ne voulons voir personne parmi ces hommes et ces femmes aller en enfer. Car notre ennemi à nous tous, c'est le diable. À moins que certains d'entre eux ne servent le diable volontairement. Même si c'est le cas, Seigneur, tout est possible, Seigneur. Tu peux sauver certains d'entre ces personnes, d'entre elles, parce que tu as sauvé des satanistes dans les Écritures, tu as sauvé des magiciens, tu le sauves, tu en sauves aujourd'hui. Tous ensemble, main dans la main, nous voulons te dire merci. Merci Jésus pour ce que tu es, pour ce que tu fais, pour ce que tu feras. Nous ne voulons pas nous arrêter sur ce travail, sur ces bénédictions. Nous voulons aller plus loin. Nous voulons la plus grande bénédiction, c'est toi-même. Et nous voulons t'offrir nos vies. Seigneur, merci parce que tu n'as pas tenu compte de nos manquements, de nos erreurs. Mais tu as gardé, Seigneur, tu as regardé à ton cœur de Père et tu nous donnes les moyens nécessaires pour faire avancer les choses. Papa, cette œuvre qui est née en 99, Seigneur, ne fait que prospérer grâce à l'assistance de ton esprit. Nous voulons te voir élevé. Nous voulons laisser, Seigneur, des marques pour des générations futures. Nous voulons laisser des empreintes pour des générations futures. Nous voulons travailler autrement. Seigneur, sauve-nous. Seigneur, guide nos pas. Père, nous te confions toutes choses. Nous te confions tous ces dons que tu nous donnes. Nous te les offrons. C'est à toi et à toi seul, Jésus, notre Dieu, notre Maître. Père très saint, toi le Dieu tout-puissant, nous voulons te dire merci parce que c'est toi qui mérites la gloire. Nous ne méritons rien. Nous ne voulons aucun mérite. Nous ne voulons, Seigneur, aucune gloire. Et nous t'attribuons toutes choses. Au nom de Yeshua. Père, merci. Merci, papa. Merci, Père. Merci, mon Dieu. Gloire à Jésus. Ouf. Wow. Là, c'est demeure pour l'éternité, reste pour l'éternité, notre Dieu. Donc, on laisse Klein, c'est la sœur. Jésus, élevant le Dieu de gloire, élevant le roi de gloire, élevant le roi de gloire, oh, qui tu es plus grand que tu es Bangoé. Tu es plus grand que tu es puissant que
Jésus.